Comment cultiver la mélisse citronnelle pour éloigner les insectes indésirables du jardin? La mélisse citronnelle est une plante vivace qui monte à 1 mètre, 1,50 m d'hauteur selon l'exposition. En principe, elle préfère le soleil, mais elle se plaît aussi mi-ombre. La particularité de la mélisse citronnelle, c'est qu'elle sent le citron, donc elle éloigne les insectes indésirables ainsi que les acariens, et notamment les aoûtats. La mélisse citronnelle, à ne pas confondre avec la menthe, puisque la menthe a un feuillage très similaire à celui de la mélisse, mais ce sont deux plantes complètement différentes. Alors, pour faire la différence entre les deux, il suffit d'humer le feuillage et ça sent parfaitement le citron. Bien que la mélisse est très intéressante dans le jardin puisqu'elle sent le citron, il faut quand même s'en méfier puisqu'elle fleurit au cours de l'été des jolies fleurs blanches, très visitées par les abeilles, c'est une plante mellifère, mais elle a tendance à s'ensemencer un petit peu partout dans le jardin, donc on risque d'en avoir partout. Donc mieux vaut la recouper, la rabattre au moment où elle commence à fleurir, de toute façon elle repartira de plus belle à la base. Puisque la mélisse est capable de faire beaucoup de graines, donc on va en récolter quelques-unes que nous allons semer en fin d'hiver. La mélisse citronnelle se sème à la fin de l'hiver, au tout début du printemps. Pour ça, vous allez utiliser une terrine que vous allez remplir d'un terreau semi, bien arrosé avant de semer vos graines, des graines noires légèrement allongées que vous allez disperser sur la totalité de la terrine. Vous allez couvrir votre terrine avec de la terre sèche que vous allez tamiser par-dessus, puis vous allez la couvrir avec un carton pour bien conserver l'humidité. Sachez que la graine met entre 10 et 40 jours pour lever. La culture en pot de la mélisse est très facile. Selon le diamètre du pot, vous aurez plus ou moins une grosse mélisse. Donc là, c'est un pot de 25 à 30 cm de diamètre, ça lui convient très très bien. Avant de rempoter notre mélisse, on va bien l'arroser auparavant. Pendant ce temps-là, on va aussi drainer le fond du pot. Pour ça, on va mettre un caillou au fond ou un petit tesson, une petite tuile. Et on va le remplir d'une bonne terre. Un terreau rempotage, un terreau rosier, pourquoi pas. On installe notre motte. Donc là, on voit qu'il y a de belles racines. De toute façon, c'est toujours très vivace. On l'enterre jusqu'au collet et on complète avec du terreau par-dessus, et je termine mon rempotage par un bon arrosage. Si on veut que la touffe soit bien verte, on va rabattre les branches de mélisse à peu près à moitié. De nouvelles pousses vont réapparaître au pied. Les branches que vous avez coupées, vous pouvez les planter directement en pleine terre. Il y a forte chance qu'elles reprennent. Autre méthode de multiplication pour la mélisse, la division de touffe au printemps ou à l'automne.